gagné. On y a été. Et communique à maman. Appelle sa chapeau. Appelle sa tête. Et communique à maman. Appelle sa mbongo. Appelle sa tête. Et communique à maman. Aïe, ta tête. Et communique à maman. Aïe, ta tête. Et communique à maman. Aïe, ta Et communique à maman. Léonidas Mouto, connu pour ses excès et ses scandales d'intimité publique, n'a pas hésité d'inciter les populations de sa localité à une haine tribale face à des candidats issus d'autres régions du pays. Rappelons que ce discours aux élans d'un tribalisme assumé pour faire barrage aux candidats lors de la campagne des législatives de 2022. Fief ya UPADES, ezali awa na la songate. Fief ya PCAP, ezali awa na la songate. Fief ya PRL, ezali awa na la songate. Awa na la songa, ba 9 circonscriptions, ezali ba député ya PCT, bote il faut ba leka. Est-ce que to yokani? Est-ce que ba koki ba zwa moko na bino ke ndoko ma député na Tolisi? Alors donc la songa botezali ma belé ya kosakana. La songa ezali ma belé yo ya kosala makambo akili kili. Il faut qu'on pèse à bon réponse le 10 juillet. Le 10 juillet, il faut qu'on explique Bango que Oyo et communiquant ya ma belé. Olinga Moutou, Olinga Ete, et communiquant ma belé. Que doit-on retenir de ce passage? Est-ce le fruit de son jeune âge? Ce qui est sûr, le tribalisme sous le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso a connu un essor explosif et n'est pas prêt de s'arrêter.